Deux antennes 5G détruites par un incendie à la Bège. Tôt ce matin, un sinistre qui pouvait être d'origine volontaire et ce n'est pas le premier du genre. Les dégradations, le volet de téléphonie tendent à se multiplier et les opérateurs tentent de s'organiser. Établissement. Les deux antennes volées sont hors service. Elles ont été incendiées vers 6h30 ce matin. Les pompiers ont rapidement circonscrit le sinistre, mais les dégâts affectent la couverture du réseau pour les 15 000 habitants qui vivent aux alentours. On va réutiliser les sites autour, on va les résumer, on va les travailler encore message dessus pour qu'on rappelle le trafic de ces sites-là qui permet. Et à terme, une fois que toutes les expertises des pilotes auront été faites et que la gendarmerie nous donnera le droit d'accéder au site, on viendra mettre ce qu'on appelle un lien mobile avec un pilote provisoire en attendant que le site soit remonté. Tous les opérateurs sont touchés, SFR, Orange, Bouygues et Free qui mutualisent les pylônes. Et ce n'est pas une première. Plus de 8 antennes volées ont roulé en un an dans la région Aix-Midi-Pyrénées, comme ici en mai 2020 dans le quartier de Sept-Denis à Toulouse. La question de leur sécurité est posée. On a décidé de regarder un petit peu sur le côté sécurisation de ce site-là. On est en train d'identifier tous nos sites, classifier nos sites et amener une réponse de sécurisation sur ce site-là. Qui pourrait être lors d'une caméra de surveillance avec anti-intrusion. Voilà, on est en train de trouver plusieurs solutions. Depuis le déploiement de la 5G en France, les incendies d'antennes se multiplient dans le pays. Un phénomène qui suscite l'incompréhension du propriétaire du terrain. Ça fait une quinzaine, mais il n'est pas. Une plainte a été déposée et des investigations sont en cours. Il faudra plusieurs mois avant qu'un nouveau pilote soit construit. Mon social aussi chez Airbus du Tencent Space à Toulouse, les bons résultats de la filiale satellite de l'avionneur ont permis au groupe d'éviter le pire pendant la crise sanitaire. Certains syndicats ont été ressuscités. De mémoire de délégué syndical, jamais une grève n'avait été reconduite à Airbus Defence and Space. Mobilisation.